Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce sont là des images des Alpes au cœur de l'hiver. L'incendie s'est déclaré ce lundi sur le haut plateau d'Asiago, dans le nord-est de l'Italie, où les pluies ont été très rares et la neige est toujours absente, même à 2000 mètres d'altitude. Plus d'une centaine d'hectares sont partis en fumée et le vent violent rend difficile le travail des pompiers et des canadairs déployés pour éteindre les flammes. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait là d'un incendie d'origine criminelle. 2015 est l'une des années les plus chaudes que l'on ait connues et les températures de cette fin du mois de décembre sont pour le moins surprenantes, comme on le voit ici encore dans les Alpes du Sud Tyrol, au nord-est de l'Italie, où les bourgeons éclosent comme au printemps. Cette région du Haut-Adige n'a connu aucune précipitation depuis plus de deux mois.